Woher weiß man, dass es bald 8 Milliarden Menschen geben wird? Comment peut-on compter les gens sur Terre? Wie viele Menschen gab es vor 2000 Jahren? Combien de bébés naissent en une journée sur Terre? Chaque jour, 244 000 bébés naissent. Mais comment le savons-nous? Le nombre de personnes est calculé par des experts des Nations Unies. Il se base sur le nombre d'humains nés dans le passé. Depuis l'an zéro à aujourd'hui, la population mondiale est passée de 300 millions à près de 8 milliards. La croissance a été la plus importante durant les 200 dernières années. On estime que 10 milliards de personnes vivront sur Terre d'ici 2080. Y a-t-il le même nombre d'animaux que de personnes? Wie verteilen sich die Menschen auf allen Kontinenten? On estime qu'il y a 1 trillion, soit 1000 milliards d'animaux sur Terre. Mais la faune est menacée par les humains. Nous polluons la Terre avec des déchets et des gaz d'échappement. Ils se propagent dans les espaces naturels que nous exploitons. L'humanité croissante risque d'entraîner une extinction complète de nombreuses espèces. Les pays les plus peuplés sont la Chine et l'Inde, avec plus d'1,4 milliard de personnes, suivis par les États-Unis, l'Indonésie et le Pakistan. Le continent le plus peuplé est l'Asie, avec plus de 4,5 milliards de personnes, suivi par l'Afrique avec 1,37 milliard. Y aura-t-il assez de ressources pour 8 milliards d'hommes? Werden wir genug Essen und Trinken haben für alle? S'il y a tellement d'humains sur la Terre et qu'il n'y a plus de place, comment va-t-on faire? Les pays ici en orange sont les pays avec la plus forte croissance de population. Ils se trouvent principalement en Afrique. Et ceux en rouge sont parmi les plus pauvres. Pour que la population cesse de croître, il faudrait d'abord lutter contre la pauvreté sur le continent africain afin de stopper la croissance démographique. Fondamentalement, l'humanité doit exploiter moins de ressources naturelles. Il y aura assez de place pour tout le monde, même 10 milliards d'humains. Mais les forêts, l'eau, le pétrole et le gaz, les plantes et les animaux ne sont pas illimités et ont besoin d'être protégés.